Allez, bonjour à tous, c'est Mathieu 29, on se retrouve sur American Truck. On va continuer. On va finir déjà le trajet là. Tenez la Qu'il nous reste gauche. à avoir. Il nous reste plus beaucoup à faire. Allez. On doit pas tarder à arriver, je pense. Des voyants. Va tenir mon tableau de bord, je vais refaire les branchements à l'intérieur pour que ce soit plus facile à changer les trucs. Si jamais ça crame ou que les jauges et tout ça ne marche plus. Pour les changer plus facilement. Hop. Toujours tout droit. Je pense qu'on va pas tarder à arriver, à mon avis. On arrive dans 4 heures, hein, donc on n'est pas loin d'y arriver, je pense. Cette fois-ci, c'est terminé pour cette mission, et après, on fait le tour du Texas, et puis basta. Toujours tout droit pour l'instant. Pour l'instant. Hop. Allez. Mais normalement là, on peut finir dans la vidéo. Le machin, la mission va être terminée, ça c'est clair. Je pense qu'on va pas tarder à arriver. Donc on a quand même découvert une ville, je crois, la semaine dernière. Une ou deux villes, donc ça va, il reste plus beaucoup. Il nous reste deux en moins, déjà, ça c'est bon. Une troisième avec celle qu'on va faire. Pas un quatrième, d'accord. Attendez, on va aller voir quand même. Donc on a découvert dans l'état du Texas, il est où? Parce que le Texas, ça commence à partir d'ici. Donc on aurait déjà trouvé une, deux, trois, quatre villes. Il restera Dallas qu'on n'aura pas aujourd'hui. On aura Longview et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Ah. 65, donc on va réduire déjà. Hop. Nous on continue. Hop.
Il faudrait que je découvre aussi les garages, les concessionnaires. Tenez la gauche. Parce qu'ils ont rajouté une marque de camion, donc ce serait bien de savoir. Jusqu'à combien ils montent en puissance? Après, je crois qu'il existe. Attends, c'est quoi déjà? C'est pas ça? Liste des camions, c'est ça, voilà. Donc, on va choisir déjà. Alors, Western, c'est ça les nouveaux, je crois. Parce que là, actuellement, on a un Kenworth 900. Il y a un Western 4X. Ou un Western 57. C'est les deux nouveaux camions qu'on a. Alors moi c'est en puissance moteur que je veux voir. 660, 600 chevaux, 447 kW. Alors que si on prend notre cher W900 qu'on a, il monte jusqu'à 600 aussi. Il monte jusqu'à 600. Mais c'est le Peterbilt. Alors que celui-ci, je crois qu'il monte encore plus haut. 625 le maximum chez le Kenworks W900. Donc, bah non, je suis pas prêt de changer. Hop. Allez, on descend à 60. Tenez la droite, puis prenez la sortie à Ok. droite. Prenez la sortie à droite. Je pense qu'on va pas tarder à arriver. On doit pas être loin de la ville. L'entreprise, surtout, on doit les vider. Ah, ouais. Pense si tu ne fais pas attention comment tu avances aussi. Allez, 70 pendant quelques temps, et puis vu qu'on va sortir, on va pas Tenez tarder la à sortir. gauche. Ah non. Dallas découverte. Eh ben, on a une ville encore moins. Allez, c'est Tenez la bon. gauche. Ça, c'est fait. Ah, c'est top, ça. Moins, mieux on, plus on découvrira de villes, moins on en aura à découvrir. Ça, c'est fort. C'est top. Pourquoi pas? Tenez la gauche. Bientôt il va nous faire sortir à droite, je pense.
Après, c'est peut-être la dernière ville, donc peut-être que on va aller jusqu'à la fin de la voie rapide. Hop. Parce que là, il ne nous reste plus grand-chose. Il nous reste 1h54 avant d'arriver, donc on arrive bientôt en fait. Donc, pour l'instant, moi je vois plus rien. Vivement qu'il fasse jour. Ça va être top pour faire une marche arrière et manœuvrer pour parquer la remorque. Allez. Quoi, il freine devant? Pourquoi je le sens pas? Ah tiens, une balance, ça faisait longtemps. Allez. Attends, c'est où qu'il faut stopper? Là, je pense. Petit tour sur la balance. Je pense que je vais devoir payer des trucs. Allez, point net, merci de votre compréhension, bonne journée. Hop, au revoir. On arrive. Je suis trop rapide. On arrive à 2 à 4 heures du mat. Donc il fera encore nuit. Il fera encore nuit quand on arrivera. Allez. C'est quand qu'on va pouvoir accélérer un peu plus là? Allez, allez hop, zou. Voilà, c'est parti, 70, on peut mettre à 75 si on veut. Allez, on arrive bientôt. Alors pour l'instant, c'est 70, hein. 75 pour l'instant. Hop. Mon avis, on arrive bientôt. Là. Dans 51 minutes, on arrive.
Bon, après, normalement, dans les entrepôts, c'est éclairé partout. Il y a quand même des éclairages, donc normalement, on devrait pouvoir voir quelque chose. Au niveau des entreprises, dans les villes, c'est éclairé. Mais c'est parce on est sur voie rapide, on est sur les grandes routes, là, il n'y a pas d'éclairage, ou très peu. Je pense que prochaine sortie c'est pour nous. Hop. J'espère que j'ai pas besoin de sortir. Tenez la droite. Oh putain, si. Puis prenez la sortie à droite. Si. J'en étais sûr que j'allais me faire avoir. Prenez la sortie à droite. Oui, j'ai compris, t'inquiète. Long views découverte. Virage à gauche imminent. Bien sûr, il y a un feu. Encore, on va attendre que ça avance devant quand même. Tournez à gauche. On entend le feu est rouge, donc. Bon, ça pas tarder à nous là. Allez, on y va. On s'en va pas maintenant, on va être bloqué après. Hop. Après, c'est tout droit, je pense. Allez. Après, il y a un feu encore, à mon avis. Hop, c'est en train d'avancer tranquillement. On est limité à 55, hein, donc faut pas aller trop vite non plus. Et puis je pense qu'on va pas tarder à être bloqué à 30 ou 25. Ça dépendra de la ville. Je vais commencer dans cette ville. Hop. Allez. D'abord, c'est ceux qui tournent à gauche, et après, c'est ceux qui vont en face. Donc là, ça va bientôt être à nous, je pense. Voilà. Je juste attendre que certains avancent devant. Alors, il y a encore un feu. Allez, tout droit. Oui, bah attends, le feu est rouge. Je vais pas m'avancer trop non plus. Hop. Hop, c'est pas quasiment nous. Ça y est, c'est parti. Il avance. Ça, il est con. Bon, bah non, on est obligé de réattendre.
Hop, ceux qui tournent à droite. Non, ceux qui tournent à gauche. Et après, ce sera à nous. Allez-y, c'est parti. Hop. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. C'est là qu'il faut tourner. On fait comment? On va pas trop vite parce qu'on est a... Oh, on est encore limité à 55, donc ça va. Alors. On doit pas tarder à arriver, je pense. On va tourner au bout d'un moment. Virage à droite imminent. Ok. Tournez à droite. Ici. Vous êtes arrivé. Il faut se mettre où? Ouais, bah. Ça va être chaud. Là. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud, patate, de le faire. Mais bon, on va réussir. Par contre, il faut que je réfléchisse. Je pense qu'on est pas mal. C'est là-bas où il y a de la lumière. C'est comme ça. Ah, c'est ça. C'est là, c'est bon. Bon. Ça tourne rien du tout, c'est une caméra. Il tourne rien, il tourne pas. Ah, et puis bien sûr. Un problème de somnolence aussi avec le avec mon personnage.
fait ça. Toc. On éteint. On valide. Beau travail. Ah bah on passe au niveau. C'est sûr. Mais on n'a plus rien. On a tout découvert. Comme ça, bon, c'est clair. On va juste conduire. On va aller faire un petit. On va aller jusqu'en ville. On va aller jusqu'à. Là, c'est un vendeur de camions. Il n'y a pas l'air d'avoir de garage là-dessus. Parce que là, c'est une station essence avec des points pour dormir. Là, c'est pareil. Là, c'est juste un vendeur de camions. Bah, écoutez, on va aller là. Hein. Tournez à gauche. On va aller faire un petit sommeil, on va dormir et puis après on va reprendre notre mission. Et on essaiera de découvrir les villes qu'on n'a pas au Texas. Parce qu'on a découvert 4-5 en même temps là d'un coup. Là. Entre la semaine dernière et cette semaine. Donc on va aller chercher un point pour dormir. Virage à gauche imminent. Tournez à gauche. Hop. Le plus simple, ça serait d'aller là, non? Ouais, mais. Ah, bah, ça va dans l'international, tiens. Ouais, allez, mais nous, c'est dormir. Donc, c'est juste là, la station à côté. Et après ça sera terminé parce que de toute manière je pense qu'on pourra pas faire autre chose, donc là on va faire la petite coupure, après on arrêtera la vidéo et après on fera demain, on fera l'épisode de, on se retrouvera demain pour un épisode sur FS20. Je sais que tu as envie de dormir. Je pense que si je viens là, demi-tour. Ça va être bon. Tac. Formidable. La coupure est faite. Donc la semaine prochaine, on se reprend une nouvelle mission pour découvrir un peu plus le Texas, voir d'autres villes qu'on n'a pas. Et demain, on se retrouve sur FS20, sur la carrière, pour essayer d'avancer au maximum. Donc là, on repart sur une récolte. Hein. J'ai tout fini. Les semis ont été terminés. Donc du coup, demain... on reprend les moissons pour quelques semaines encore, et puis voilà. Donc du coup, on se retrouve demain sur FS20. Allez, ciao, ciao, et à demain!